Quelques 1200 personnes ont assisté au spectacle de fin d'année de l'école Accédance. Sur scène, les 175 danseurs, âgés de 4 à 40 et quelques années, ont proposé une nouvelle fois un spectacle de grande qualité sur le thème des légendes, décliné en deux parties très différentes. Deux parties très différentes, mais toujours sur le thème des légendes. La première partie avec les éveils, les initiations, les cours de classique, où j'ai réuni tout le monde sur un même thème, c'est la légende de Narnia. Donc voilà, un film que je trouve magnifique. Je ne suis pas très fan des films fantastiques, mais celui-là, je le trouve vraiment très beau et il m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, je suis partie sur ce thème-là pour la première partie. Et puis, deuxième partie, les chanteurs de légende. Donc les chanteurs de légende, ça va de Janis Joplin, en passant par Queen, Bob Marley, Michael Jackson, Benny King. Voilà, il y a toutes sortes. Et du coup, les élèves découvrent peut-être des chanteurs qu'ils ne connaissaient pas forcément, des styles de musique qu'ils ne connaissaient pas forcément. Pour la première partie, la chorégraphie a nécessité, outre le travail de la danse, celui de l'interprétation scénique. Un peu plus d'expression, du coup, surtout pour les élèves qui représentent les personnages principaux du film, où du coup, je leur ai fait un travail d'interprétation. Ils ont eu besoin de travailler ça. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Et donc, c'est une belle expérience aussi pour eux, je pense. Ils ont dû avoir l'air méchants, avoir l'air heureux, avoir l'air perdu. Enfin, voilà, ils ont travaillé beaucoup au niveau de l'expression. Et pour les élèves, le défi à relever était passionnant. Bon, nous, on a tous regardé le film pour s'imprégner un peu des rôles des personnages. Il y en a des rôles qui sont très différents, parce qu'il faut plus qu'ils soient enfantins pour les enfants. Moi, il faut que je sois assez fière, parce que du coup, je suis un roi. Et puis du coup, Camille doit être plus dans l'agressivité et pour défendre en fait, son territoire. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué, parce que c'était la première fois, je pense, qu'on faisait de la danse et de l'interprétation. Donc c'était ça le plus compliqué au départ. C'était une super expérience, ouais, franchement. Ça change du coup des années passées. C'est chouette de faire ça. Moi, je suis Peter, l'aîné de la fratrie des enfants. Donc, je contrôle un peu la fratrie et je découvre le royaume. Donc, je dois me battre, je dois faire plein de choses. Ouais, comme Julie a dit, c'était une très bonne expérience. Ça nous a permis d'élargir notre niveau artistique dans la danse, même humainement, de découvrir plein de choses. En deuxième partie, les légendes de la chanson ont ensuite été mises à l'honneur avec notamment Janis Joplin, Amy Winehouse, Daniel Balavoine, Aretha Franklin, Michel Berger et Michael Jackson. Que du bonheur! Là où nous...